Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Chasseur d'idées. Un nouveau roman de Régent Ducharme vient d'être publié chez Gallimard. Gros mot, c'est le titre de ce 9e roman de Ducharme, qui a aussi signé des scénarios de films, Les bons débarras de Francis Mankiewicz, par exemple, des textes pour le théâtre et des paroles de chansons. Entre autres, celle-ci, que je ne vais pas vous faire l'injure de chanter. Ça arrive à la manufacture, les deux yeux fermés bien durs, les culottes pas zippées, en retard. Ça dit que ça a fait un flat, que le char partait pas. Alors ça, c'était une chanson de Robert Charlebois, il y a plusieurs années de ça, mais le texte, c'est de Régent Ducharme. Depuis 1966, depuis la publication de La vallée des avalés, Régent Ducharme charme, surprend ou choque, et il continue de le faire chaque fois qu'il ajoute une brique à ce qui devient, au fil des ans, son œuvre. Ducharme écrit et il ne parle, il n'existe que par son écriture. C'est comme ça qu'il a voulu que ça se passe. Et après 33 ans d'absence, il n'a pas changé d'idée. Le philosophe Gilles Deleuze a écrit « Créer, ce n'est pas communiquer, c'est résister ». Ducharme me semble tout à fait de cette tradition du créateur résistant. Il résiste à la tentation de se mettre en spectacle, il résiste aux modes et aux conventions, il résiste même à l'espoir. Là-dessus, puisqu'on ne peut pas parler à Ducharme, on va parler de Ducharme, parler de lui dans son dos avec mes invités, à qui j'ai demandé de choisir un extrait de Gros mots, un extrait qui leur semblerait particulièrement ducharmien. Martin Fauché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, metteur en scène plutôt ces dernières années. Oui, depuis 5-6 ans, oui, metteur en scène. Alors, vous avez réalisé un montage de texte de Ducharme intitulé « À quelle heure on meurt » oui. qui a été joué au Québec, mais en France aussi. Et vous avez fait la mise en scène de « La fille de Christophe Colomb » au théâtre d'aujourd'hui. Oui, il y a peut-être 4-5 ans. OK. On va écouter avec Suzanne Lemoine, comédienne. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Suzanne est là avec nous pour lire les extraits que vous avez choisis et d'autres qu'on essaiera de lire pendant le cours de l'émission. Alors, elle lit l'extrait que vous avez choisi, Martin Fauché, et ensuite vous me dites pourquoi vous avez choisi cet extrait-là. Parfait. Pourquoi viser si haut quand le bonheur est si bas? L'amour, le pouvoir, c'est par la parole qu'on obtient tout ce qui compte. Qu'est-ce qui couronne les chefs d'État et les autres bons ou mauvais maîtres du monde? Les discours. Ça, c'est l'extrait que vous avez choisi. En fait, c'est deux extraits que j'ai jumelés. Que vous avez jumelés oui. et qui sont surprenants chez Ducharme. Parce qu'on a l'impression que le discours mène quelque part, contrairement à ce qui est souvent le cas dans son œuvre. Oui. En fait, la première chose qui m'a intéressé, c'est pourquoi viser si haut quand le bonheur est si bas. Il y a vraiment quelque chose de complètement, je trouve, pessimiste. Mais en même temps, si bas, le moment présent est très important chez Ducharme. Et à ça, j'ai jumelé le pouvoir des mots, le pouvoir du discours, et comment est-ce qu'on peut dominer l'autre ou attraper l'autre ou se laisser charmer par l'autre. Mm-hmm. Et Ducharme le fait que par les mots. Fait que pour moi, ça résumait très bien la position qu'il y a par rapport à la langue, donc par rapport à la culture, par rapport à l'autre. Alors, on verra si c'est l'optimisme que je décèle un petit peu dans ces extraits-là va résister à l'analyse. Élisabeth Nardou-Lafarge, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Chasseur d'idées. Merci. Vous êtes professeur de littérature québécoise et vous vous intéressez plus particulièrement au rapport que les écrivains d'ici entretiennent avec la littérature française. Alors, on va écouter votre extrait et on revient à vous tout de suite après. J'étais content d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi peu que moi. Et lui prouver que les nuls sont les élus, les héritiers désignés, qu'ils sont voués, avec tout le besoin qu'ils en ont, la place qu'ils lui font par le vide, à la possession du bien. Celui qu'on a à se le donner, ce que nos meilleurs, nos inspirés, nos lumineux ont trouvé de mieux sur leur chemin et qui traînait. Ma parole, je plaide, je me fais des effets de manche. Élisabeth Nardou-Lafarge, donc voilà votre extrait où il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup oui. de dérision.
Oui, c'était l'idée de... C'était la syntaxe d'abord, particulièrement tortueuse, parce que ce qui s'exprime est tortueux, je crois. C'était l'idée des réprouvés aussi, du bas, de l'espèce d'attraction du vide que j'ai senti dans Gros mots. Et puis à la toute fin, c'est vrai que j'ai pris la première phrase du paragraphe d'après, parce que ça cassait l'effet. On était en plein désespoir, et là, l'effet de manche cassait ça, et l'ironie reprenait le dessus. C'est ça. Duchamp qui rit, un peu de Duchamp. Oui, c'est ça. Ce qui est assez fréquent dans son œuvre. Gilles Marcotte, mm-hmm. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Chasseur d'idées. Vous êtes romancier vous-même, essayiste, critique littéraire. Vous avez été professeur de lettres encore jusqu'à tout récemment. Un des pionniers dans l'analyse de Duchamp. Si l'on veut, nous sommes quelques-uns. Ouais. Vous avez reçu... Récemment, je crois que c'est 97, le prix Athanase David pour l'ensemble de votre œuvre. Alors, félicitations. On va écouter votre extrait, on revient à vous pour l'explication. Mais, comme on se dit toujours, la petite tare et moi, est-ce qu'on ne devient pas des espèces de saints en ne vivant que d'amour? Si on leur a élevé des temples et qu'on les prie, n'est-ce pas parce qu'ils ont eu la folie de ne vivre que d'amour et qu'ils s'y sont tenus? Qu'ils nous sauvent en ranimant ce que nous reconnaissons que nous avons de mieux, notre vrai feu, qui éclaire et qui réchauffe. Oui, vivre peu, mais vivre mieux. Une demi-heure, un quart d'heure par jour, s'il le faut, mais d'amour, au prix d'être forcé de tuer tout le reste du temps et de crever avec. Ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Rien que pour les sensibilités exceptionnelles investies d'une mission en tant que telle et que gré telle, comme dirait Walter. Gretel, Hansel. Alors, pourquoi cet extrait, Gilles Marcotte? Eh bien, parce que ça exprime assez bien le viser haut dont il était question tout à l'heure dans le texte choisi par Martin Fauché. Je pense que c'est... On a là, ici, une espèce d'ambition, de passion de l'absolu, qui emporte tout le roman, enfin, qui en donne les parties les plus... les quelques phrases les plus lumineuses, et en même temps qui en explique, disons, le désastre absolument épouvantable, parce que Gros mots, c'est l'histoire d'un désastre, de multiples désastres. Ouais. Mais tout ça, je pense, vient de ce que c'est un roman d'amour, mais d'amour, comme le dit Ducharme, poussé jusqu'à un point où ça atteint... Et là, j'oserais employer le mot de mystique. Il emploie le mot « saint ». Évidemment, ça n'est pas clair, ça n'est pas univoque chez Duchamp, mais on rencontre aussi ailleurs, par exemple dans A.A., il y a une allusion à Saint-Jean de la Croix, à la poésie de Saint-Jean de la Croix, ouais. Où se trouve d'ailleurs le thème de l'oiseau qui sera très présent dans Gros mots, et Saint-Jean de la Croix, dont le personnage dit qu'il est un poète pire que lui, ce qui est un hommage, je pense, chez Duchamp très considérable. Ouais. Donc, l'amour absolu, au point du mysticisme, donc qui nie l'amour, qui est accessible peut-être à tout le monde, ou au jour le jour, l'amour ordinaire, ce que les gens vivent. Mais c'est-à-dire que c'est une souffrance. C'est-à-dire que dans l'amour le plus ordinaire, dans l'amour d'un homme et d'une femme, ouais. Enfin, tel qu'il se présente d'ailleurs dans le roman, notamment avec Exa Torrin, mais plus précisément avec celle qui est appelée la petite tare, eh bien, dans l'amour le plus ordinaire, le plus quotidien, il y a, chez le héros de Ducharme, cet appel de quelque chose qui est difficilement nommable et qui d'ailleurs ne serait pas nommé sans une bonne dose d'ironie chez Ducharme, mais qui est là, qui, pour ainsi dire, torture le roman, comme d'ailleurs, je pense, Duchamp dans ce roman aussi par son style, et ça, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, persécute son lecteur. Torture le lecteur aussi. Alors, madame, monsieur, là-dessus, on va aller à la pause. On a trois extraits des visions de Duchamp qui lui-même présente plusieurs facettes. C'est de ça dont on va parler au retour. Je vous signale que... Au bas de vos écrans va apparaître notre adresse Internet. Comme d'habitude, vous le savez, ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Prenez-les en note et communiquez avec nous. Et nous, on vous revient dans 3 minutes. Madame, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être de retour. Alors, on parle de Duchamp. On ne parle pas précisément de son dernier livre, mais plutôt de son œuvre et de savoir quelle est la signification de cette œuvre-là. D'abord, je poserai la question de Duchamp. Est-ce qu'il y a de Duchamp une lecture politique? Est-ce que Duchamp est politique? Il faut se rappeler quand même qu'il a écrit
ses trois premiers romans, La vallée des Avalines, l'équivoque, L'océan Thume, je ne dis pas que c'est dans l'ordre, tous ces romans-là étaient écrits au moment où a été publié en 1966 La vallée des Avalines. Donc, il les a écrits alors que la Révolution tranquille émerge, qu'elle se déroule. Est-ce qu'il est ou non partie prenante de cette Révolution tranquille? Bien, c'est ça qu'on va essayer de creuser dans un premier temps. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une équivoque et qui va peut-être lancer le débat. Restons en arrière, avec Crémazie, avec Marie-Victorin, avec Marie de l'Incarnation, avec Félix Leclerc, avec Jacques Cartier, avec Iberville et ses frères héroïques. Restons en arrière. Restons où nous sommes. N'avançons pas d'un seul pas. Restons fidèles. Souvenons-nous. Le temps passe. Restons. Alors, voilà. Gilles Marcotte, vous avez écrit dans Conjoncture en 97, à l'automne 97, sur Duchamp, d'ailleurs, son œuvre, que les trois premiers romans, ceux que je viens de nommer, sont par excellence, dites-vous, des romans de la Révolution tranquille. Oui, d'abord parce que ils en reproduisent en quelque sorte le ton. Par exemple, si on pense à La vallée des Avalées, c'est un roman de révolte, c'est un roman de jeunes, et bien sûr, La Révolution tranquille était une affaire de jeunesse et une affaire de révolte. On en avait assez, enfin, des anciens modèles, bon, c'est bien connu tout ça, et on voulait, comme on disait, entrer dans l'histoire. Alors donc, il y a tout ça se retrouve chez Régent Ducharme, mais aussi ça tourne, comme le lait peut tourner. C'est-à-dire que on s'aperçoit que Ducharme va derrière les thèmes essentiels et les met en cause, pour ainsi dire. Il ne les contredit pas explicitement, ou du moins pas aussi explicitement que dans le texte qui vient d'être lu, encore que là, il faudrait l'interpréter. Mais c'est qu'il les met en jeu. Enfin, c'est ce que fait toujours la littérature, en somme. Mais chez Ducharme, les opérations littéraires sont toujours particulièrement subtiles et fortes. Et prenons par exemple le thème de l'entrée dans l'histoire. Bon, dans Le Néquivoque, vous avez au début une allusion à Maurice Duplessis, vous avez une allusion aussi à des batailles qui se sont produites il y a trois siècles. Il y a l'histoire qui est présente, comme on voulait qu'elle soit présente au Québec désormais, pour reprendre le mot célèbre de Paul Sauvé. Mais elle est complètement désorganisée. C'est-à-dire, quand on analyse le texte, on s'aperçoit que Duplessis, enfin les événements plus anciens, tout cela fait une chronologie qui est absolument pas tenable. Alors, si on prend le thème de l'adolescence, en fait de l'adolescence révoltée, et donc belle et admirable en tant que telle, eh bien, si on voit ce qui se passe, par exemple, chez Bérénice Hahnberg, l'héroïne de La vallée des Avalées, eh bien, elle termine sa carrière en Israël, elle devient une héroïne, comme on rêve de l'être à la Révolution tranquille, mais une héroïne, une fausse héroïne, une héroïne par la traîtrise, c'est-à-dire qu'elle se cache. Derrière sa meilleure amie, ben oui, qu'elle utilise comme bouclier. Alors, tous les thèmes de la Révolution tranquille se retrouvent comme ça dans ces trois romans et dans les subséquents aussi. Mais pour suivre votre idée jusqu'au bout, il y a des thèmes de la Révolution tranquille qui sont l'appropriation de la langue, il y a le progrès, il y a l'idée de progrès dans la Révolution tranquille. Restons en arrière, attention. Ben voilà, voilà la référence à l'histoire chez Duchamp, elle n'est pas l'histoire pour aller vers l'avenir, elle est l'histoire dans le passé, et restons dans le passé. C'est comme ça que je l'entends, est-ce que je me trompe? Ben, oui, Martin Pochet. Pas nécessairement, parce qu'il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a une certaine ironie, parce que quand on dit « restons en arrière », il y a toute la vision de qu'est-ce que le Québec peut devenir. Parce que dans ces mêmes romans-là, surtout dans L'Équivoque, puis bon, dans L'Hiver de force qui est écrit années 70, au début des années 70, il y a vraiment toute la culture et américaine et la culture française qui procède d'une espèce de métissage qui fait que André Nicole, dans L'Hiver de force, écoute du Jerry Lewis à télévision pendant des heures complètes pour résister et aller au bout de la niaiserie humaine. Donc, restons en arrière, Marie-Victorin. De quoi ça procède, de cette résistance-là procède de quoi? D'un danger de progresser vers une espèce de métissage qui va faire que nos racines profondes se perdent? Ou au contraire, il y a comme l'aventure exaltante de perdons-nous vers l'absolu? Moi, je suis comme ambigu par rapport Mais là, Marie-Pochet, vous passez, par exemple, de La vallée des Avalées, disons, Le Néquivoque ou L'océan Thume, les premiers, la Trinité dont on parlait au tout début, et vous allez vers L'Hiver de force, qui est 73.
Les enfants tombent, j'imagine, aussi, 76. Oui. Donc, vous trouvez qu'il y a un fil conducteur et que Duchamp ne change pas à travers son œuvre sur cette question de l'histoire? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment une fascination pour la culture autre. Tant la culture américaine que la culture française ou les cultures mondiales. Mais il dénonce la culture américaine. La culture française aussi, il la dénonce. Oui, il est vraiment, met dos à dos. Il parle d'un certain colonialisme. Oui, absolument. Le fait d'avoir écrit le Cid Magané, d'avoir approprié, de s'être approprié la langue de Corneille et de dire on peut être aussi tragique que le français, mais dans notre propre langue, c'est vraiment un geste politique à ce niveau-là. Oui. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment le côté restons au statu quo, culturellement parlant. Oui. Je ne crois pas que c'est à prendre effectivement au pied de la lettre, mais je crois que, pour poursuivre ce que disait Gilles, je crois qu'effectivement, d'abord ça évolue. Moi, je ne suis pas sûre de pouvoir mettre en bloc tout ça. Je pense par exemple que le Nekivok se démarque assez nettement finalement. Plus je le lis, plus je trouve qu'il se démarque assez nettement de la vallée et de l'océan Tume. Et je crois qu'il y a bien les thèmes de la Révolution tranquille d'une part, mais des années 60 au sens très large. Enfin, il y a la révolution, la révolte, l'absolu, la libération individuelle, la libération sexuelle dans une certaine mesure. Tout ça, ça participe, ça dépasse la Révolution tranquille. Mais vous trouvez qu'il s'inspire là des thèmes de la Révolution tranquille? Chez Duchamp, il y a tellement d'ironie et d'érision que c'est pas évident. Je dirais pas qu'il s'inspire, il en est habité, il appartient à cette époque, mais comme toujours, il en donne l'envers. Et moi, le restant en arrière, je l'entends aussi comme l'envers, presque le refoulé du progrès, à la limite du nationalisme de ces années-là. Se souvenir, avoir un passé, se constituer une mémoire, c'est à la fois souhaitable, mais en même temps, ça suppose aussi quelque chose. Mmh. Et on ne peut pas prendre l'un et refuser l'autre, il faut tout prendre, qui peut être aussi très mortifère. Dans La vallée des avalées, il y a un passage sur les autochtones qui est absolument terrible. Être un autochtone, c'est naître dans sa tombe. Mm-hmm. Il écrit quelque chose comme ça. Donc il y a aussi ces thèmes-là de l'époque, ces discours de l'époque, j'ai l'impression qu'il en prend l'envers, le dessous, l'aspect sombre, et que c'est là-dessus qu'il travaille. Parce que dans l'équivoque aussi, il revient sur la question d'Acton. On sent qu'il y a des éléments auxquels il tient, sur lesquels il y a une position qui ne varie pas. Ça, c'est, me semble-t-il, un exemple parce qu'il parle de génocide. Il me semble que ce ne sont pas des positions, justement. C'est-à-dire que tous les thèmes, par exemple, dans la fille de Christophe Colomb, il y a une diatribe contre les syndicats. Bon, c'est pas une position, et je pense que sur les autochtones, c'est pas une position non plus. Et surtout, c'est qu'il faut, je pense, éviter à tout prix de lire Duchamp comme une sorte de guide. C'est-à-dire de quelqu'un qui va nous dévoiler une sorte de marche à suivre. C'est une œuvre qui n'a aucun soupçon d'optimisme. Et c'est pour ça, à mon avis, que c'est une grande œuvre. Une œuvre optimiste, enfin, c'est pour moi une contradiction, une œuvre littéraire optimiste, c'est une contradiction dans les termes. Quand il dit « restons en arrière », c'est d'abord pour résister à « allons en avant », ça c'est refusé, enfin, parce que c'est un mouvement naïf et univoque. D'autre part, le « restons en arrière », lui, n'est pas univoque. Et il suffit de prendre la liste, par exemple, il dit « restons en arrière avec, bon, telle personne mm-hmm. », c'est extrêmement divers, vous avez Marie de l'Incarnation, vous avez Félix Leclerc, enfin, ce sont des choses assez... Crémazie. Oui, et Crémazie, enfin, qui est certainement un très mauvais poète. Et je suis sûr que Régent Duchamp le sait. Mais il fait ça, il lance tout ça, enfin, comme on lance peut-être des balles de neige, contre une façon, justement, de penser qui serait univoque et qui ferait du progrès une sorte de nécessité. Mm-hmm. Il dit non. Il est un résistant. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure le beau mot de Deleuze. Et je pense que Duchamp, c'est parmi les écrivains contemporains enfin, de langue française, un de ceux qui disent non avec le plus de force. Et quand je dis « ils disent non », encore une fois, ce nom-là, c'est un nom qui n'est pas univoque, qui n'est pas fait d'un seul bloc. C'est une mise en jeu, enfin, de tous les clichés dont nous vivons. Donc, si on veut faire une lecture de Duchamp en disant Duchamp est passéiste parce que on a écouté l'extrait et d'autres qu'on pourrait tirer d'autres romans de Duchamp, et même si vous dites vous-même que Duchamp à certains égards a choisi le passé contre le présent et l'avenir, je vous cite de conjoncture, Duchamp ne serait pas que passéiste, ce serait une erreur de le... C'est-à-dire qu'il est tellement passéiste qu'il ne l'est plus. Et Michel Van Skandel, qui a été un des premiers critiques de Duchamp, a une expression que je trouve absolument essentielle. Il dit que Duchamp pratique un système d'outrance. Il va toujours outre
Alors, quand il affirme quelque chose, quand il dit qu'il veut rester avec Crémazy, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas recevoir ça comme un message univoque. Ouais, j'ai l'impression qu'il résiste d'une façon intemporelle. C'est pas tant être passéiste qu'être hors société, hors continent. Il vit dans une espèce de stratosphère qui est son univers littéraire à lui, tout le plaisir culturel qu'il y a de consommer de la culture. Ça, quand on regarde les romans, on voit que c'est vivre cinéma, télévision, littérature, c'est vraiment un système solaire en soi. Et aussi, la relation amoureuse avec l'éternel féminin. Et là aussi, il y a une façon intemporelle de vivre cet éternel féminin-là qui fait que ça ne peut pas s'inscrire dans aucun cadre précis parce que c'est vraiment un amour sublimé. L'amour, je pense, il y a un amour de la vie qui n'est pas accotable au quotidien. Donc, il n'y a aucune façon d'être citoyen d'une façon convenable, d'une façon qui répond à des règles précises. Et ça, c'est l'absolu, c'est ce que Gilles Marcotte c'est vive point. Appelait le mysticisme un petit peu à la limite, là, quand on voit. Peut-être, au parce bout. Que quand il critique les syndicats, il y a une façon très ironique de dire vivre en société, avoir des règles très précises, ça ne peut pas s'appliquer, et il s'amuse à démolir les règles absolues. Mais en même temps, ce que Gilles Marcotte dit, ce que j'en comprends en tout cas, c'est qu'il va tellement loin dans la critique qu'à un moment donné, on ne peut pas faire une lecture au premier degré, dire « Duchamp est contre les syndicats ». Non, ça c'est pas sûr. Ça se démolit soi-même d'une certaine façon. Il faut toujours faire attention aussi. Mm-hmm. Vous avez parlé de la vie et de l'absolu. Je pense que chez Jean Duchamp, ça ne va pas ensemble. Enfin, il est contre la vie. Ah, ça, je suis sûr. On le voit très bien dans un gros mot, il l'a dit. Mais en même temps, le fait d'écrire autant. Ah, là, c'est voilà, autre chose, c'est au deuxième degré. Mais il faut toujours respecter le premier degré. Peut-être. Mais moi, je trouve que d'aimer autant les mots, d'aimer autant les sensations, parce que ces romans sont pleins de sensations, c'est aimer la vie. Et ça, c'est un geste d'optimisme. Dans le sens que vous donnez vous-même au mot « vie », mais dans le sens que Duchamp donne au mot « vie », et qui est extrait, enfin, du discours courant, du discours banal, du discours cliché, là, il est contre la vie et il oppose la vie à l'absolu. En même temps, dans ces romans, il y a tout le temps une quête de beauté. Ah, bien sûr. Donc, la quête de beauté, c'est la quête de la vie. Je ne suis pas sûre de ça. Non, OK, je suis pas sûre de ça. Je ne sais pas, Mais je suis pas. Moi aussi, j'ai du mal à coller l'expression amour de la vie à Duchamp, ça, c'est sûr. Et son amour des mots, c'est sûr qu'il y a une fascination des mots, mais ce qui l'intéresse dans les mots, j'ai le sentiment que c'est plutôt les endroits où ils sont inaptes, où ils sont incapables, où ils sont en faillite, où ils sont absurdes. Duchamp est aussi un grand ramasseur de choses qui traînent, on le sait dans ses pratiques de sculpture, mais il fait ça aussi dans ses romans. Et les mots qu'il va chercher, qu'il recueille, c'est aussi les mots qui sont pris quelque part en flagrant délit d'impossibilité de signifier. Il est quand même passionné par ça. Oui. Donc, c'est sûr que le seul geste optimiste, c'est d'écrire. Le mais seul geste qui énorme. Sauve, c'est énorme. Extraordinaire. Mais en même temps, je crois que c'est un univers résolument désespéré. À certains moments, joyeusement, avec une lucidité terrifiante. Oui. C'est là, je crois, qu'il est politique. Et parce que cette espèce de lucidité avec laquelle il décrit aussi bien le privé, presque l'intériorité, l'intime, le fonctionnement des sentiments, des réactions. Oui, vous dites qu'il a une lucidité. Vous il dites a une c'est lucidité là qu'il est politique. Oui. Donc, les gens qui essaient de lire Duchamp, son œuvre, et d'essayer de l'intégrer de force, ça, j'imagine, dans ça nos débats, pas. Par exemple, sur la question nationale. Ça ne marchera pas. On se trompe. À mon avis, ça ne marchera pas. On ne peut pas intégrer de force. Là, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit sur la résistance, sur aussi l'apologie des discours plurivoques. C'est là qu'il est évidemment éminemment littéraire. Et très souvent, et même dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on voit bien comment l'abondance de références historiques détruit tout sérieux. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait être dans cette œuvre-là, quelque part pris pour une position articulée, il y a une référence, il y a un glissement qui empêche de le faire. En même temps, je crois qu'on peut quand même en faire une lecture politique large. Je crois quand même qu'il est de son temps. Je crois que cette révolte, ce privilège de la jeunesse entendue, pas tellement comme une catégorie, mais comme le début, l'émergence, tout ça, ça se situe, ça peut se dater historiquement. Il me semble que son rapport aux femmes, on en reparlera, on peut le dater aussi. Oui, c'est très clair, je crois. Donc, mais j'ai deux extraits qui me semblent soutenir tout à fait ce que vous dites, qui m'ont frappé. Dans l'Océan Thume, qui est publié en 68, Duchamp dit, le narrateur plutôt, « Je me suis érigé en république autocratique. Je ne reconnais à personne le droit de m'assigner à un pays et de m'interdire les autres.
Pourquoi m'enfermerais-je dans un de ces réduits pleins à craquer de fumée de cigarettes appelés pays? Ils ne m'auront pas, je me garde. Là, 68, l'océan Thume. Dans Les enfants tombent, 76, Vincent Falardeau va dire qu'il est, comme sa sœur, contre tout sentimentalisme nationaliste, en même temps que pour le gros bon sens de l'indépendance des Québécois. Alors là... Ben là, il s'exprime. Ah ben oui. C'est le seul passage, peut-être, dans son œuvre où il y a une position politique claire. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit Les enfants tombent d'un bout à l'autre, et c'est pas facile, hein, c'est tournant aussi très difficile et dur à lire, dur au sens là, presque physique, parce que le langage, il y a une régression dans le langage, enfin vers l'infantile, qui est assez épouvantable. Il y a le thème dans ce roman du « nous deux tout seuls ensemble », les deux frères. Le frère et la sœur, pardon. Ouais. Non, c'est très grave ce que je viens de dire. Absolument. Bon, alors, le thème de l'union incestueuse, et ça, c'est une autre image, mais là, une image proprement romanesque, de ce que pourrait être une unité politique ou autre absolue. Tout seul, autotélique, ensemble. Enfin bon, qui n'a besoin de personne d'autre. Alors, vous avez en même temps dans le roman cette petite observation là, ouais, qui dit que bon, l'auteur, oui, en effet, est favorable à l'indépendance du Québec. Et d'ailleurs, quand on pense au milieu de Région du Charme, c'est tout à fait normal. On voit, il y a Pauline Julien, il y a Gérald Godin. Bon, ouais, c'est tout à fait normal qu'il ait cette position là. Mais en même temps, le romancier, l'écrivain, celui qui dérange tout, celui qui, même quand il ne le veut pas, doit résister, eh bien, évoque le thème du « nous deux, tu seul, ensemble », qui est... Qui est quoi, l'aboutissement d'une régression? Oui, bien sûr. Et qui est aussi l'expression, enfin, d'une espèce d'indépendance politique ou autre, absolue, et qui est donc régressive, oui, dans l'expression même. Ouais. Absolue, misérable? Si l'on veut, bien que Vincent et Ferrier-Falardeau, enfin, le souhaitent, cette union-là. Mais ils sont misérables. Ce sont des êtres, évidemment, qui vivent une relation amoureuse, incestueuse, là, qui est perverse, je pense, au plus haut degré. Elisabeth Nardou-Lafarge, vous avez, dans les discussions qu'on a eues avant l'émission, dit que, sur le plan du nationalisme et politique, Duchamp, on ne peut pas lui assigner une place politique claire. C'est très difficile. Et qu'il a brouillé les pistes. Est-ce qu'il a brouillé les pistes consciemment? Est-ce que c'est ce que... Alors ça, je ne sais pas. Ça, on n'en sait rien. Mais ouais, je crois qu'il brouille les pistes. Je crois qu'effectivement, ça fait partie de la résistance d'être, de ne pas être récupéré par un discours organisé. Je pense qu'aussi, c'est quand même une œuvre qui prône la non-appartenance absolue. Les appartenances, appartenir à quelque chose, que ce soit un parti, que ce soit un pays, que ce soit à un couple, que ce soit une famille, que ce soit une esthétique littéraire. Ça, c'est pas possible. Et cette position de résistance, il l'a aussi beaucoup sur le plan de l'esthétique. Il fait tout pour qu'on puisse pas. Il n'est pas. D'ailleurs, il le dit. Est-ce que je fais de la littérature surréelle, surrénale? Bon, on ne peut pas en faire un surréaliste. On ne peut pas. Là aussi, il y a une. Moi, je crois qu'il n'est pas récupérable. Je crois que si on veut en faire une lecture politique, il faut le placer à un autre niveau du débat politique, dans une espèce de où politique signifiera vision du monde, en gros. Bon, Duchamp est toujours ailleurs. C'est presque, ouais, un entité. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Est-ce que si il avait été, par exemple, de la contre-culture, est-ce que vous n'avez pas dit que quand ça devient à la mode, il est contre? Eh bien, il en est de la contre-culture, mais l'hiver de force, la contre-culture de consommation. C'est ça, la CCC. Il en est de la contre-culture par toutes sortes de choses. C'est un écrivain contre-culturel, quelque part, par son écriture, par les milieux marginaux qu'il décrit, par la façon qu'il a de traiter les tabous, c'est-à-dire qu'il y a quand son même... Son absence des médias, c'est très contre-culturel. Absolument. Il n'y a pas plus contre-culturel que ça. Sa position d'écrivain, c'est héroïque. Tout à fait. Ah oui, ça, absolument. Je veux dire, c'est héroïque au maximum. C'est l'absolu aussi. Oui. C'est la résistance, oui. ça c'est sûr que c'est superbe ça. Oui. Mais c'est vrai que l'hiver de force décrit le milieu contre-culturel comme étant, c'est le conformisme des anticonformistes. Et les marginaux se sont refaits une espèce de petite société avec ses codes et ses rapports de pouvoir aussi. Uh-huh. Tout, et ça, il n'en veut pas. Et donc, André et Nicole, comme vous disiez, ils regardent la télévision jusqu'à plus soif. Oui, ou dans les personnages de AA... Roger, qui se décrit comme étant le pire des poètes, et il, voilà, veut vraiment être
élevé au rang des pires des poètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans une société, ces deux couples qui s'enferment dans une maison et qui se détruisent jusqu'à temps qu'une des Mimi se garoche en bas du stage à la fin de la pièce. Donc, c'est vraiment être aussi épouvantable dans ses agissements et dans l'amour que tu portes à l'autre jusqu'à temps que quelqu'un s'en exclue complètement. Donc, c'est aussi un certain appel du néant. Ah oui, et entre le néant et l'absolu, il y a des rapports. Oui. Et dans Gros-Mot, justement, ces rapports-là sont très, très forts. C'est-à-dire que le héros, le narrateur Johnny, dit sans cesse qu'il est ou un très peu ou un rien. Et d'ailleurs, ça lui donne une certaine sécurité. Il n'a en fait de sécurité qu'en étant rien, qu'en avouant son rien. Mais tout de suite, en même temps, ou dans quelques lignes plus loin, il va parler de l'absolu, et évidemment, il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, si on se rapporte au langage mystique, parce que Saint Jean de la Croix, comme je le disais tout à l'heure, est un poète pire que Roger, dans AA, c'est Roger qui le dit, si on se rapporte à la mystique, il y a aussi ces images. C'est très curieux ce rapport qui me frappe de plus en plus, moi, entre le néant, le vide, qui est un thème mystique très très fort, et l'absolu. Oui, parce que dans Va savoir, ça se termine par le passeport de la femme qu'il aime, qui est complètement gratté par le blanc. Donc, elle disparaît, mais vers un absolu qui est pur, qui n'est pas noir. Et ça, c'est très beau, cette espèce de femme qui erre, on ne sait pas sur quel continent, en Europe, en Afrique, donc qui est appelée par cette image diaphane. Et ça, c'est très du charmier à ce niveau-là. Oui. Avant qu'on passe, parce que j'aimerais qu'on revienne à cette idée du charme mystique et quête philosophique presque chez Duchamp, j'aimerais clore un chapitre où on essaie de crier des noms à quelqu'un, sans blague, mais est-ce que Duchamp n'est pas quelque part anarchiste? Et j'aimerais que, avant qu'on intervienne là-dessus, écoutez un extrait qu'on vous a sélectionné qui, à mon avis, décrit bien le sens de la question. Si j'étais un chien, mademoiselle, et qu'avec 29 autres chiens, j'étais attachée au traîneau d'un Esquimau, je leur crierais « Désunissons-nous !» Les ligues et les communautés me font mal à l'esprit. Je suis contre les unions comme je suis contre les pays. Je suis contre la communion, l'accord et l'harmonie, pour la désunion, le désaccord et la cacophonie. Je suis pour que ceux qui chantent faux chantent aussi fort que les autres. Ah, c'est magnifique, ça. Je suis pour que ceux qui chantent faux chantent aussi fort que les autres. Ça, c'était Pierre, fils de Jean-Pierre, Pierre, dans Inespéré, inattendu. Ça, c'est presque un manifeste, là. Oui. Il y a plein de passages dans l'océan Thume, dans l'hiver de force, qui sont vraiment des manifestes. Oui. Est-ce que je pourrais faire un petit détour? Allez-y. Parce que ce texte-là me fait penser très nettement à une déclaration faite par Pasternak au Congrès sur la liberté de la culture à Paris dans les années 30. Pasternak était venu là, envoyé par Staline lui-même d'ailleurs, et à la fin il était question d'organiser les écrivains pour défendre la culture. Et Pasternak n'a eu que ce mot, qui n'a pas dû plaire à Staline bien sûr, « Surtout ne vous organisez pas ». C'est exactement le texte de Duchamp, Duchamp développe, mais ça me fascine, c'est une parole essentielle d'écrivain. Oui, ça je crois. C'est-à-dire que le refus de l'organisation, ça renvoie, si vous voulez, à une sorte d'anarchisme, alors à ce moment-là, d'anarchisme au carré. C'est-à-dire qu'il est l'anarchiste de l'anarchisme, dans la mesure où on ne pourra jamais faire de lui un anarchiste bien organisé comme il y en a. Oui, ça c'est sûr. Et profitable, parce qu'il y en a eu aussi. C'est sûr. Oui, moi je serais assez d'accord, à condition de donner à ce mot anarchiste un sens large, un peu artistique aussi, la figure quelque part. Donc sans rentrer dans les détails historiques de qui étaient les anarchistes. Mais je pense qu'il y a des points communs, par exemple, entre ces manifestes et les slogans de mai 68 qui étaient écrits sur les murs. Ça relève un peu de la même rhétorique, parce que c'est aussi une rhétorique. C'est superbe, mais c'est quand même aussi une rhétorique. Et ça, il le sait. Et même ça, il ne s'y laisse pas prendre. Ces prises de position-là, qui sont très exaltantes dans l'œuvre de Duchamp, elles sont aussi, en général, suivies de moments où c'est le vide qui l'absorbe, et où même ça, qui pourrait le soutenir, qui pourrait justifier l'œuvre, sauver quelque part. Mais moi, je ne sentais pas de programme là-dedans, mais ça n'allait pas vers un programme politique, mais c'était comme un constat, avec de très bien dit, disons-le, c'est superbe, c'est un très très beau texte. Et en même temps, ça me semblait conforter ce qu'on a dit de Duchamp à venir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que Duchamp est
toujours contre. Oui. N'est pas pour. Et ça, ça lui donne cet espace de liberté, là aussi, comme anarchiste. Oui. Mais il déjoue même les pièges du contre. Mm-hmm. Et ça, je pense qu'il faut toujours insister, parce que, d'une certaine façon, être contre, enfin, c'est un peu comme être pour. Ben, ça pourrait devenir, effectivement, vous avez raison. Tandis que les manœuvres de Régent Ducharme sont si subtiles et si prodigieusement intelligentes. Jamais embrigadé, c'est ça. Il ne sera jamais un soldat du contre. Hein? Non, parce que j'ai comme l'impression que sa vie est tellement réglée par l'instant présent. De quoi j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'être? Et ça change au gré de la température, des humeurs, de peu importe quoi. Donc, à ce niveau-là, la vie est tellement imprévisible qu'il n'y a pas un programme qui peut résister semaine après semaine. Donc, c'est vraiment manifeste pour l'instant présent. Moi, c'est comme ça que je vois les différents romans de Ducharme. Et est-ce que c'est pas aussi en temps présent, mais avec ses contradictions? Par exemple, il y a des passages de Ducharme où il a pour la femme une admiration, je dirais, qui c'est la sainteté, là, c'est mettre sur le piédestal et encore plus haut. Et en même temps, il y a dans l'équivoque, entre autres, des passages extrêmement durs. Il y en a partout, des passages. Où il dit « Donnez-moi un corps chaud, un cadavre chaud. » misogyne, presque, non? Oui, enfin, c'est difficile d'employer ce terme-là au sens où... Je crois que là, il est aussi assez daté. Bon, c'est vrai qu'il y a à la fois une fascination de romancier aussi. Hein. La femme qui intéresse Ducharme, c'est aussi la femme du roman. C'est le mystère féminin tel que le romancier l'explore. Il y a aussi beaucoup ça, quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu le féminin... des anarchistes, un peu. La femme, c'est la sœur, donc elle a... et ça, dans Gros Mots, je l'ai senti assez fort. Elle a les mêmes droits que les gars dans cette histoire. Mm-hmm. Elle peut prendre les mêmes initiatives, elle peut aller aussi loin dans le vide, mm-hmm. plus loin peut-être, dans la délinquance. Mais en même temps, et on l'admire, c'est l'autre par excellence. Je crois que la figure, c'est vraiment la sœur. Mais en même temps, c'est le repos du guerrier. Et même quand elle ne pense que à travers son sexe. Mais la femme, c'est Exatoran plus la petite Tare, c'est-à-dire les deux personnages de Gros Mots. Exatoran, qui est la femme de la vie quotidienne, avec qui il y a des bagarres absolument extraordinaires, mais qui sont sous-tendues, je pense, par des sentiments assez forts et assez intéressants. Et il y a la petite Tare qui, elle, c'est l'amour éthéré, l'amour non sexuel, même s'il se touche un petit peu à la fin et ça démolit beaucoup de choses. Alors, la femme, pour Ducharme, c'est les deux. Et je pense qu'on ne pourrait pas penser à l'une uniquement. Il faut penser à l'une Il a besoin des deux. Et dans le manuscrit de Walter, l'alter ego de Johnny, la femme s'appelle Too Much. Mm-hmm. Ah oui, c'est trop. C'est trop. Donc, c'est vraiment un débordement de toutes sortes de choses. Et dans Gros Mots aussi, il va voir des danseuses, dont une s'appelle Poppy. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment aussi la femme qui offre en spectacle, qui gagne sa vie avec son corps et la fascination pour ce rapport-là à l'argent, parce que bon, dans plusieurs romans du Charme, il y a un rapport foqué à l'argent. Comment est-ce qu'on peut acquérir les choses ou comment est-ce qu'on peut ne rien justement acquérir et donc être irresponsable par rapport aux sous. Donc, ces milieux un peu sordides-là se retrouvent dans plusieurs romans du Charme. Ducharme anti-Titi contre tout, qui a toujours une position un peu ailleurs, qui se méfie comme la peste des discours le moindrement constitué sur tout. Hein, c'est le couple, c'est à peu près tout qui va démolir ici et là dans son œuvre. C'est aussi quelque part, on sent comme un recycleur. Mm-hmm. Je pense que c'est on a mentionné tout à l'heure qu'il y a Ducharme est aussi Roque Plante, c'est-à-dire un sculpteur qui expose ses sculptures qui sont faites de choses qu'il ramasse un peu partout. Est-ce que l'écrivain n'est pas aussi un peu un recycleur? Et j'aimerais vous entendre sur le plagiat, parce que c'est aussi une forme de recyclage. On a parlé beaucoup de Ducharme qui pique chez des auteurs sans leur rendre le crédit, des bouts de toutes sortes de choses. Oui, c'est sûr. Mais juste, est-ce qu'on peut revenir 30 secondes à la question de la femme et du sexe parfait. Aussi? Parce que je crois que c'est pas simplement la femme aussi, c'est aussi le sexe. Le sexe comme... salissure, ça on avait ça dans les premiers, et peut-être aussi comme une espèce de niveau, de degré zéro, à la fois extrêmement difficile à confronter, donc sur lequel il y a un discours très violent finalement, très provocant, très, à certains moments difficile à soutenir, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec l'absolu, avec le vide et avec le rien aussi. Ou est-ce que ce serait
au contraire, la seule certitude que Duchamp pourra avoir. En tout cas... Dans une relation, oui, mais on ne sait pas ce qu'il en pense, parce que parfois, il en parle comme d'une cochonnerie. Oui. Et d'autres fois, il y cède. Même celle-là est absente. Mm-hmm. Mais pour faire une transition vers le sujet que vous vouliez aborder, on pourrait dire que... J'essaie de me rendre utile. Duchamp fait un peu a des rapports avec les textes qui sont un peu comme des rapports qu'il a avec les femmes. C'est-à-dire qu'il va chercher des textes, il fréquente les textes. Et il y a par exemple les textes de Laudréamont dans ses 4 ou 5 premiers romans qu'il utilise, qu'il déforme, qu'il reprend. Enfin, c'est de façon absolument fantastique, sans jamais d'ailleurs donner son nom. Mm-hmm. Alors là, il y a à la fois une adhésion profonde et aussi une sorte de dispute majeure, comme celle qu'il peut avoir avec Exatorant. Oui, il y a une bagarre de textes, ça c'est sûr. De textes, et puis aussi des autres discours. Depuis l'hiver de force, et dans Va savoir, ça me semble très très fort, la circulation comme ça du déchet, enfin. Dans Va savoir, ça devient vraiment le déchet, carrément ce qui traîne, enfin le vestige, l'espèce de choses comme ça qu'on ramasse. Et à partir... Ramasser, mais pour mieux construire. C'est ça, oui, oui. Il en fait quelque chose. Oui, et surtout l'hiver de force. Et d'ailleurs, je crois qu'on a intérêt à relire l'hiver de force. Pour moi, ça, c'est un pivot dans le déroulement de l'œuvre. L'hiver de force, c'est cette esthétique-là, finalement, qui aura triomphé dans le reste de l'œuvre. Et c'est, on entendait dans l'extrait, la cacophonie. Là, l'écrivain ramasse la cacophonie. Il la donne à entendre avec les discours publicitaires, les discours politiques qui sont là, les noms de marques, les... Et d'ailleurs, un certain discours misogyne aussi, des insultes misogynes, qui font partie de ce qui traîne dans le discours et qui sont ramassés. Ça, je pense qu'à partir de l'hiver de force, c'est très sensible et c'est quelque chose de très réussi. Dans Va savoir, c'est vraiment une poétique du déchet, je pense qu'on peut, peut aller jusqu'à... Mais le déchet, ça va, je m'excuse, Martin Fauché, mais sur la question du plagiat, parce que habituellement, on n'est pas très tolérant pour les écrivains qui s'inspirent ou qui plagient. Pourquoi est-ce que chez Duchamp, c'est considéré comme presque le recyclage, comme un geste peut-être subversif, mais un geste tout à fait compréhensible dans ce qui serait la logique. Moi, je l'interprète comme étant, c'est un geste, c'est un amoureux tellement de la culture, de la littérature, c'est un curieux de la vie, c'est un curieux, donc, d'une encyclopédie vivante, parce que quand on lit tous ces romans, on dit, mais où d'aller chercher toutes ces références culturelles-là, toutes ces références littéraires-là? Donc, ça devient admirable que quelqu'un dans notre société contemporaine, où tout va vite, où on peut vraiment s'abreuver à des choses complètement junk, lui creuse des affaires vraiment admirables. Donc, moi, je pense que c'est un geste de passionné. Mm-hmm. Et je pense qu'on admire ce genre de comportement-là. Oui. Je pense qu'il faudrait parler aussi de... Il n'a pas le sens de la propriété. Surtout pas. C'est-à-dire que... Et je dirais de la propreté aussi. C'est-à-dire que chez Duchamp, on n'a pas du tout un texte classique, c'est un texte lisse. C'est un texte, justement, qui fait penser au tableau de Roqueplante et qui, justement, va chercher un peu partout ce qui va faire son affaire. Parfois, il va nommer ceux qu'il plagie et parfois, il ne les nommera pas, comme par exemple Saint-Digarneau. Enfin, on prend tout un texte de Saint-Digarneau sans le nommer. Il ne nomme jamais Laudréamont. Mais ça, il y a un autre paradoxe là-dedans qui est intéressant parce que c'est... Duchamp, c'est plein de paradoxes, c'est qu'il a plagié Laudréamont, c'est l'auteur qu'il a le plus plagié à mon sens, mais qui était lui-même un plagiaire. Alors, il s'inscrit dans une tradition du plagiat. Mais vous pensez qu'il y a là encore une ironie du Charmian, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ironie dans son œuvre, c'est pas un hasard si c'est Laudréamont. Ah ça, je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas suivi, je ne suis pas dans sa tête, je ne l'ai pas rencontré, je regarde comment ça se passe dans ses romans. C'est évidemment un très grand lecteur. Écoutez, à la fin de Gros mots, là, il est un peu fatigué, il est abandonné par tout le monde, y compris la petite tape, et dit qu'il va se remettre à lire Proust à partir du début. Mm-hmm. C'est long, ça. Alors, c'est quelqu'un qui vit des livres, qui vit de la vie des livres, et tout passe par là. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure des thèmes de la Révolution tranquille dans son œuvre, dans les premiers romans en particulier. Ben, on peut aussi considérer ces romans-là comme des tentatives d'exploiter des genres. Vous avez dans la vallée des avalées nettement de l'épopée, vous avez dans l'océan de Sum, c'est autre chose, vous avez dans l'hiver de force, là, c'est plutôt le roman chronique. Enfin, vous avez
c'est une œuvre qui est aussi une œuvre d'expérimentation. Oui. Et qui le reste là-dessus, on va à la pause et on revient pour notre conclusion, comme d'habitude. Monsieur, madame, je vous signale qu'au bas de vos écrans, on vous donne notre numéro de téléphone. C'est pour ceux que ça intéresse de communiquer avec nous. Vous aviez eu l'adresse Internet, le numéro de téléphone. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et comme vous le verrez, on a aussi des livres qu'on vous donne quand vous êtes entré en contact avec nous, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, 3 minutes, on est de retour. Alors, madame, monsieur, merci beaucoup d'être de retour. Comme d'habitude, c'est le moment où on vous présente quelques livres qui vont vous aider à continuer la réflexion sur la thématique de cette semaine. Alors, je commence par Tout Seigneur, Tout Honneur, Régent du Charme. Gros mot, donc. C'est un roman qui est publié chez Gallimard, qui date de 1999, qui est tout à fait récent. Ensuite, il y a Aux études françaises. Avez-vous relu Du Charme? Ça, c'est les presses de l'Université de Montréal. Et il y a là-dedans un texte de Gilles Marcotte, notre invité. Et comme Gilles Marcotte écrit beaucoup, on va retrouver un autre de ses textes dans Conjoncture, le numéro 26, qui a été publié à l'automne de 1997. C'est un numéro qui est entièrement consacré à Duchamp, excellent, et dans lequel, comme je le disais, vous avez un article de Gilles Marcotte. Alors, en conclusion, pour peut-être cerner un peu la problématique de l'œuvre de Duchamp sur laquelle il va falloir qu'on se quitte parce qu'il nous reste que quelques minutes, j'aimerais qu'on écoute d'abord un extrait d'Une équivoque. Rien n'est sérieux. Tout est risible. Tout est ridicule. Il n'y a rien de grave. Ce qu'il y a d'organisation sur la Terre est fondé sur l'hypothèse que la vie est précieuse. Mille-mille est en faveur d'une désorganisation qui serait fondée sur la vérité. Et la vérité, la voici. La vie est monotone et tout le monde s'ennuie. À la vérité, il n'y a que la mort. Il n'y a que cela d'intéressant dans la vie. Les rares moments de la vie où on ne s'ennuie pas sont ceux où on frôle la mort et ceux où on meurt. Il y a l'amour, mais il n'y a pas d'amour heureux. Alors, on serait presque tenté de dire que c'est du charme pur. On trouve une grande dose de désespoir, en même temps, une très grande beauté du texte. Gilles Marcotte, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a cette tension qui traverse l'ensemble de l'œuvre de Duchamp? Oui, en fait, ça me fait un peu penser au début d'une saison d'enfer de Rimbaud. Enfin, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. C'est un peu ce qui se passe chez Duchamp, c'est-à-dire qu'il injurie la beauté, en particulier dans ces gros mots. Là, il y a des phrases, enfin, qui sont d'une lecture extrêmement difficile, qui sont volontairement maladroites, mais en même temps, la beauté injuriée est toujours là, présente, avec une très, très grande force. Et je pense que il y a une expression que je déteste, qui est celle de coup de cœur. Mmh. Mais disons qu'elle va être rachetée un peu par le texte de Duchamp. Je pense qu'on a souvent, enfin, tout à coup, devant une page de Duchamp, ou le texte qui vient d'être lu, tout à coup, l'impression là, d'une beauté qui se suffit à elle-même. Et on oublie les termes, on oublie le jeu de massacre. Mmh. Et on pense à cette Emily Dickinson qui est citée, la poétesse américaine qui est citée souvent dans le gros mot, dont la petite Tard dit que son œuvre ressemble, sa poésie ressemble à une eau qui vient de dégeler au printemps. Alors, il y a cette fraîcheur-là aussi, en même temps, toujours chez Duchamp. C'est un miracle. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai relu par bout pour les fins de cette émission, et c'est une révélation, effectivement. Comme vous le dites, il y a des pages qui sont époustouflantes. Madame Nardou-Lafarge, est-ce que dans cette tension où on retrouve le désespoir qui traverse l'œuvre de Duchamp, mais aussi une très, très grande beauté, parfois, parce qu'il y a aussi les massacres. Est-ce que, pour les jeunes, pour les gens qui arrivent aujourd'hui et qui lisent, qui découvrent Duchamp, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est le désespoir et qui serait un repoussoir, peut-être, ou si on se rend jusqu'à la beauté de cette œuvre-là? L'expérience que j'ai, en tout cas, cette année avec les étudiants avec qui je lis Duchamp, c'est qu'ils se rendent tout à fait jusque-là. C'est-à-dire qu'ils ont
je crois, parfaitement saisi, que c'est pas dissociable, que cette beauté, elle émerge précisément de ce désespoir, éventuellement des déchets, éventuellement de ça. Et je crois qu'il, oui, dans le meilleur des cas, évidemment, ça passe ou ça casse une œuvre comme ça. Il y a une adhésion là, ou il n'y a pas d'adhésion. Je crois que c'est difficile que de rester tiède, même si le système est en train d'en faire un classique. Mais oui, je crois qu'ils suivent tout à fait ça. Mais puisque vous l'enseignez Duchamp quand même depuis des années, est-ce que vous voyez d'année en année arriver des jeunes qui sont plus ou peut-être moins capables de voir chez Duchamp le côté marginal, le côté politique, mais peut-être pas politique dans le sens banal du terme, d'une cause? Est-ce que vous sentez ça? Bien, je peux peut-être répondre parce que le collage « À quelle heure on meurt » que j'ai fait, c'est il y a 10 ans de ça. Et c'est repris cette année au Théâtre du Trident par 7 comédiens dans début vingtaine qui connaissaient pas vraiment du charme et qui ont plongé là-dedans et qui sont mus par les mêmes pulsions qui m'ont mu moi, qui m'ont ému moi il y a peut-être une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans quand j'ai lu pour la première fois. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a comme une confrérie du charme, une secte du charme d'éternels révoltés qui... secte pas au sens sectaire, religieuse, mais vraiment... Mais c'est pas pour vous, c'est pas une œuvre qui est tellement difficile, parce qu'on l'a dit qu'elle est parfois difficile et volontairement. C'est costaud, mais quand on accepte... Mais ça rebute pas les gens. Quand on accepte de jouer le jeu du charme... Parce que moi, les romans du charme, je les ai tout le temps lus 50 pages, j'ai recommencé par la suite, pour vraiment comme pénétrer cette logique-là, ce rythme-là, qui est tout à fait propre à lui-même. OK. Alors, Martin Fauché et vous tous, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était fort intéressant et j'espère que ça donne le goût de reprendre Duchamp. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous signale qu'on sera de retour lundi prochain, comme d'habitude, mais tout de suite après le film, à 9h56 cette fois. Merci. Au revoir.